Putain, sans déconner, je sais pas quelle heure il est, j'ai rendez-vous à 9h au commissariat là-bas. Bon, à Châtelet, etc. Bon, regardez, je suis tellement speed, tellement speed que j'ai même pas le temps d'accrocher mes vêtements. Et ça, c'est même pas tous mes vêtements. C'est un stock, c'est simple. Tout est propre, il n'y a pas de problème. Mais c'est un stock, c'est un stock. Et il y a de tout. Parce que moi, j'ai toutes les fringues les plus importantes de la mode. Genre cette maille, cherchez cette maille-là. Vous allez avoir du mal à la trouver. Hein. C'est la compétition de la maille. Ou alors cette liquette-là. Ou alors ce pull de nazi. Ou alors ce pull de bourgeois. Ou alors ce pull de bourgeois. Ou alors ce blouson de bourgeois. Ou alors ce fly jacket de bourgeois. Ou alors, non mais ça, ce pantalon rouge de bourgeois. Ou alors cette chemise violette de bourgeois. Ouais, mais vous allez avoir du mal à voir tout ça. Même un magasin sera intéressé. Hein. Voilà quoi. Mais bon, enfin, bon. En fait, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas toutes les fringues. Parce que des fringues, j'en ai, même des militaires. Voilà, c'est ma fringue militaire. Number one. Hop. Oui. Donc, non, en fait, c'est pas ça le. Excusez-moi. Moi, je fume tellement que je me réveille à 4h du matin, je suis obligé de fumer. Non, en fait, le plus intéressant, en fait, c'est la réalité, quoi. Donc, ce retard-là que vous voyez. Hein, ok. 20% d'accord. Ce retard que vous voyez, que j'ai vraiment étudié d'une façon bizarroïde, hein, qui est la deuxième version des retards de voiture, puisque maintenant, ils sont en biais, justement comme ça. Bon, quand j'ai fait le premier dessin, je l'avais fait droit. Mais à partir du moment où maintenant il est en biais, c'est qu'ils sont sûrement tombés sur cette photo et ils ont compris ce que j'ai fait. Et donc j'ai été analyser un petit peu partout ce biais-là et c'est fantastique. Les voitures sont encore plus belles avec les jantes en biais. Mais pourtant, ce sont toujours les jantes à ailettes, mais en biais. C'est-à-dire la vraie version, quoi. C'est la version que j'avais inventée moi-même. Et voilà, c'est trop fort. Ben voilà, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Les registres, ça, son petit livre. Tu vois, ça, c'est encore un autre de mes parfums. Mais voilà, je suis tellement speed en ce moment que j'ai pas du tout le temps. Bon, tiens, ça, c'est le sponsor de mon pote. À Genève, Jean Alési. Ouais, vous connaissez Jean Alési. Bah, lui, j'ai rencontré devant le lac Léman, comme on a discuté direct. Le mec, il s'est dit, mais merde, c'est pas possible. Non seulement il m'appelle, il me dit mon pote d'entrée, quoi. Jean Alési, il a pété un plomb, il s'est dit, mais merde, 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 qu'est-ce qui m'arrive? Il me dit mon pote et tout devant ma. T'étais pas avec une vietnamienne ce jour-là? Enfin, une japonaise, je sais plus quoi. Mais bon, ça, c'est un esprit sain dans un corps sain. D'accord? Et Jean, allez-y, pète un plomb. Je fais non, 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 il faut qu'on cause tout de suite de rapidité, de vitesse et tout. Ben voilà, quoi, moi, quand j'avais 12 ans, j'avais un pilote et tout, Stéphane, nanana, un flash, nanana, on allait à 360 km/h, hein, on allait déjà plus vite que Senna et tout, qui allait à 340 et tout. Allez-y, waouh, comment tu fais ça? Ben ouais, moi, je suis Spider-Man et tout, mon pilote, c'est Flash. Jean, allez-y, ah, oh, le kiff et tout. Nous, on est en plein Genève, quoi, hein, devant le lac Léman, quoi. Et on se parle à une vitesse pas possible. On dit que les Suisses sont lents. Détrompez-vous, les Suisses sont très rapides parce que s'ils n'avaient pas le temps de traverser, ils vous écrasent direct. Bref, et voilà quoi. Donc, non, j'ai franchement plus rien à vous dire. À part, ah, voilà. Vous voyez ce petit jeune, d'accord. On va faire une espèce de gros plan. Voilà. Vous voyez ce petit jeune avec ses boots, son short, culotte courte, hein, et son polo, style Lacoste, que Lacoste vend maintenant. Et son retour d'hélicoptère. On peut quand même considérer que vu ce qu'on voit, à 3 ans, vous avez l'enfant le plus intelligent du monde. D'accord? Puisque ça, c'est devenu le retour de l'hélicoptère. Et on s'en sert pour faire des drones. Et je m'en sers aussi pour faire des jantes. Ok. Donc en fait, les jantes ont été très faciles à faire pour moi. Je sais que Sarkozy, il a vite exécuté ce que je lui dis quand j'étais à Genève. Et qu'en 2 secondes, hop, on avait toutes les jantes de la Terre. Voilà. Et donc, toutes les voitures de la Terre. Et donc, je devenais en plus le plus riche du monde pour la 6e ou 7e fois. D'accord? Voilà. Ok? Donc, je ne crois pas qu'Einstein, avec son talent de vieux cheveux, soit plus intelligent que moi. Salut!